La base logistique de la MINUSCA a servi de cadre le 8 et 9 septembre à la 11e conférence de la force de la MINUSCA. Elle a rassemblé autour du commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, l'ensemble des commandants des contingents venus des quatre coins de la République centrafricaine. L'un des objectifs de cette grande rencontre a été d'échanger sur le mandat de la mission et sa mise en œuvre sur le terrain, d'obtenir des consignes pour une meilleure réalisation des missions sur le territoire centrafricain et d'évoquer les contraintes rencontrées. Invité d'honneur lors de l'ouverture de ce séminaire, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Mokhtar Ndiaye, a exprimé ses attentes et ses directives. Ce séminaire est très 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 important en ce qu'il vous permet d'échanger sur les bonnes pratiques et d'avoir des directives claires pour la poursuite de votre mission. Nous avons toujours insisté sur la posture de la force. Nous avons toujours souhaité que la posture de la force soit une posture robuste. Il faudrait qu'on évalue à chaque fois est-ce qu'on a fait preuve de posture robuste ou non dans telle ou telle situation. Et de plus en plus, on met l'accent sur l'anticipation, sur la planification et sur la bonne préparation. Et j'attends de ce séminaire également des idées, une contribution pour que nous puissions formuler au Conseil des recommandations pertinentes pour nous permettre, avec le mandat qui va venir à partir de novembre 2021, de pouvoir pleinement exercer notre mission sur le terrain. Afin de veiller au respect des règles sanitaires dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et ainsi éviter le rassemblement d'un grand nombre de participants, cette rencontre a réuni tous les commandants, leurs adjoints, les chefs d'unité et les chefs des sections à travers une vidéoconférence. Les commandants des contingents présents ont eu l'opportunité de présenter leurs recommandations précédées par un état des lieux de leur mission sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à retenir de cette conférence. Nous avons pu apprendre sur ce que font les autres parties prenantes de la mission, le soutien global apporté aux missions, comment cela se matérialise et les défis auxquels elles sont confrontées, la composante sécurité, comment elle assure la sécurité et quel est son rôle. Ce sont les points que nous ramènerons dans nos secteurs et j'espère que cela améliorera les conditions de travail à l'avenir. Nous apportons notre contribution pour la paix, notamment dans mon secteur. J'ai perdu 4 casques bleus qui ont sacrifié leur vie pour la paix et nous voulons espérer que leur sacrifice n'aura pas été vain et qu'une paix durable verra le jour dans ce pays. Ces conférences, qui se déroulent tous les 6 mois, sont un mécanisme mis en place pour mettre au même niveau d'information l'ensemble des commandants de secteur. Elles offrent également l'opportunité de transmettre des consignes nécessaires à une meilleure mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, fortement dédié à la protection des civils.